Les choses pour les guerres. Je suis Qsbaoui, je suis mon origine, la génie à l'intérieur des familles, des militaires, et aussi où ils cachent leur nourriture. Aussi la partie là, elle est cassée. Mm-hmm. Mais avant, ils montaient par là pour voir à l'extérieur. Elle a vu, elle est waouh. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, Hassan est venu nous chercher avec la calèche devant la porte à la ferme et il va nous emmener faire un tour dans la ville de Taroudante. On va aller vraiment explorer, cette fois on va vraiment pouvoir vous montrer les remparts, les petites rues, la ville et tout ça. Il va nous emmener dans les coins qu'il juge les plus beaux de Taroudante. Taxi, Jaouda est de retour. Bon, direct là, j'envoie. Temps de passer la piste. C'est pas la même. Et vous vous rappelez de la maison? Regardez comment elle a avancé. Il y avait juste les fondations. Ils avaient même ils étaient en train de creuser. Ils n'avaient même pas creusé les trous pour les fondations encore. Si, ils étaient en train de creuser. Ouais, donc quand on est arrivé, ils n'avaient pas creusé. Alors ici, c'est tous c'est les beaux quartiers en fait, ce que disait Hello. Hein. Ici, c'est les beaux quartiers marocains. Ouais. Il y a pas mal de Français aussi qui vivent ici. Ça se ressent sur la pâtisserie. Ouais. On n'a jamais payé aussi cher une pâtisserie. Voilà. 300, 3 dirhams, ça fait cher. Hein? 3 dirhams le poisson. Ouais, 3 dirhams le poisson, ça faisait cher. Ouais, du coup, on n'y va plus. On y viendra. Hein. Ah, on passe devant la boucherie. À la Franck, il est en train de craquer parce qu'il dit qu'il aimerait bien aller vivre sur un bateau. Et qu'il aime un bateau en bois. Voilà, il voudrait s'acheter un bateau à lui en bois. Voilà. Ça fatigue pas les jambes. Une porte de derrière, une porte de devant. Parce que okay. Pour quand il rentre, il ferme. Parce que il y a à la casse bateau. Les choses pour les guerres. Et du coup, il y avait ou il y a une prison là-bas? Comment, ici, une prison ancienne. Ah, non, ok. C'était maintenant aussi. D'accord. Même, il est fermé maintenant, mais oui. Ça existe. D'accord. Et la caserne militaire aussi. Et la casse-bas. Ok. Ça existe. Et là, c'est la casse-bas où ils cachent leur nourriture et aussi les arbres. Ah, d'accord. Voilà. Elle était seule, entourée, même si la ville elle est entourée des remparts, comme ça. Et la casse-bas, elle était aussi entourée comme ça. Ah, il y avait d'autres remparts autour de la casse-bas. Oui, c'est ça. Moi, je l'ai à la casse-bas. Ah, pour nous, rentrer. Les frères, 6 frères. On est né à la Casbah. Ah bon? Mon papa, il est né à la Casbah. Ah, trop bien! C'est l'origine. D'accord. De la Casbah. D'accord. Ah, toi, tu es de là-bas. Voilà. Ça, c'est la porte aussi de la Casbah. T'as vu comme ça les remparts? Ils sont partis comme ça. C'est entouré 7 km. Ah oui, on voit que les remparts des. Regarde maintenant la Casbah. Voilà, une porte. Pour sortir au courant. Vite. Oh, il est passé ici en plus. À pied, ouais. T'as vu? Et d'ici,
ici, contre le mur là, c'était caserne militaire. D'accord. Ah, d'accord. Caserne était derrière. Okay. La tour, la place là, regarde, il y a aussi le nom en arabe. C'est une voile. Ah, là, c'est l'entour. C'est le mur là. T'as vu ? Ici, là. Voilà. Et le, c'est écrit. Le nom en arabe. Mmh. En noir. Ouais. Oui, là on le voit. En noir. Ça s'appelle là-bas l'Akshla. L'Akshla. En arabe, l'Akshla. L'Akshla, c'est caserne. C'est la caserne. Ah, d'accord, ok. Il était aussi entouré d'un sur mur, même dans la casse-bas. D'accord. Mmh. D'accord. Okay, okay. Il était aussi protégé, leur famille. Comment ? Ah oui. Je suis Qsba, oui, je suis moi en origine, la gênée à l'intérieur. C'est fou, hein? Non, c'est coupé, monsieur. Le mur là, comme vous voyez, le mur, ouais. Tout le mur là était entouré. C'est cassé ici. Là, c'est cassé. C'est dommage, cassé là. Ah oui. Elle était tout le mur là, c'est entouré. Et ça, c'est le deuxième rempart, en fait, de la Casbah. Non, ça, non ça, ça, comme ça, la partie là, c'est la troisième. D'accord. La partie là, elle est à la Casbah seule. Et la Casbah, elle est entourée comme ça, les remparts. Et une partie de la Casbah, c'est comme ça. Et le mur là, c'est, elle est là. T'as vu l'entrée? Eh oui, oui. Des familles, des militaires, et aussi où ils cachent leur nourriture. D'accord. La nourriture était cachée en haut. Ah, au-dessus. Tout au-dessus, et tu verras, c'est comment là, et c'est parti comme ça, et à gauche, tout le mur. Ah, comme ça, on la voyait pas. Non, les gens, ils ne voient pas. Ah, c'est fou. C'est caché, ça. C'était bien juste pensé. Pour monter là-bas, c'est la porte là. D'accord. Ah, bien. on pouvait pas monter, on pouvait pas savoir. Regarde, on peut pas dire maintenant, regarde, tu rentres. Ah oui. Vu combien de parties là? Oui, oui. Il était des portes ici, anciennes. Là, il y avait une autre porte. Pour fermer. Pour fermer. Mais ici. D'accord. Regarde. Non, on peut rentrer. T'as vu? Mais c'est dommage, des maisons maintenant, il faut tout changer en ciment. Parce oui, avant, c'était en terre. Comme ça. C'était, oui, c'était en terre. Oui. Tout là, c'est. Maintenant, c'est que les familles des militaires qui étaient là. D'accord. T'as vu en haut, comme on a vu? Où ils cachent leur nourriture. Là-haut, là, ah oui. Regarde. Ah oui, on voit ici, là, la porte. Et alors, là, et là, allez. Regarde. Et ici. Ouais. Ah, c'est on voit bien. Haut, ah, on dirait pas, on a l'impression que c'est juste un rempart, en fait. Non, t'as vu, toute la partie là-bas était pour oui. Cacher. Ouais, et c'est en bas, fou, c'est hein. Les maisons. Les et filles. En bas, c'est les maisons. C'est dommage. Maintenant, je peux couper par là parce que aussi la partie là, elle est cassée. Et avant, il y avait une porte elle est cassée. Non. Non. La porte qu'on a dû pour rentrer, elle a cassé. Oui. Maintenant, cette partie, il est à l'intérieur de la cassée. Ah oui. T'as vu le mur par où il ah est cassé? Oui, là, il est là. Il est cassé là, là. Ici. Ah, mais là, on voit bien que le mur, que c'est pas un mur en fait. Il est bien là. On voit bien. Ah oui, là. Oui. Il est venu ici comme ça. Ah oui. Comme ça, elle était pas cassée par là. On le voit, oui, là. Ici, et ça continue, en fait. Et oui, on voit la calèche là-bas, là. D'accord. Toutes leurs maisons étaient comme ça. Venez voir une partie, là. T'as vu ? Leur maison aussi, elle est entourée. Ah oui. C'était comme ça. Si on continue, elle est comme ça. Oui, ça fait le tour, en fait. Là, c'est fou, hein. On pensait pas, on s'imagine pas qu'en fait ce soit derrière, ce soit ça cassé. C'est caché aussi, même et il oui. Est à la Casbah, il est protégé, il est au centre de la Casbah. Et oui, oui, tout était protégé. Et pour rentrer ici avant, juste la porte là-bas par où on est rentré, pour rentrer oui. Chez leur famille, il était aussi protégé. D'accord. Par des gardiens. Par des gardiens. Et le mur, ça s'est écroulé parce que c'était vieux ou c'est ou ça a été abîmé? Parce qu'il était cassé. Il était cassé. Il était cassé. Pas, ils ont pas cassé exprès, mais oui, voilà, c'est il ça. Était cassé. D'accord. On ne sait jamais des fois. Hier, c'est la porte du là, du prison. C'est tout la prison, l'entrée, c'est tout là. Tout ça? Tout là. Et après, c'est tout derrière, l'intérieur. Voilà. Ok. T'as vu? Ah, donc ça, en fait, c'était la et prison regarde, qui était la là. La prison, là. Et maintenant, ils en font plus rien, des non, bâtiments rien, plus rien, il est fermé. D'accord. Parce que c'est trop maintenant le nombre
c'est, il prend là les gens qui étaient contre les, pour les guerres. Mm-hmm. S'ils ont attaqué quelqu'un, il prend, il le fait rentrer. D'accord. Ici, à la Casbah. Mm-hmm. Il le rentre ici. Ça fait des années, combien d'années. Il est encore prison, mais il ne travaille pas. Il est tout abîmé à l'intérieur, mais... Ah oui. D'accord, ah oui, donc ça, oui, c'était la grande entrée, en fait. Les militaires, la prison. Caserne militaire. Tout était ici, c'était le quartier militaire. Et c'était la Casbah. Avant, quand quelqu'un entend que tu habites à la Casbah, il fait attention à ta petite fille. Ah oui, on était, il t'embêtait pas. Et dès maintenant... Oui. Et dès maintenant, quand on est comme ça dans les rues, il y a quelque chose qui ne va pas. Ah oui, tu et, dis, ouais, il y a quelqu'un qui dit aux autres, attention, ce sont les jeunes de la Casbah. Alors, les explications. C'est ça, là. C'est pas un mur, en fait. C'est deux murs, ouais, avec comme un espèce de grand couloir, ouais, qui servait de grenier, en fait. Il n'y avait qu'une porte d'accès, et en fait, c'était caché. Donc, quand tu te retrouvais là, tu croyais que c'était un rempart. Mm-hmm. Et en fait, ça faisait comme deux remparts. Ouais, ouais. Avec au milieu, ils stockaient. On est rentré par un port, oui, la Casbah, et voilà le deuxième. D'accord. Ça se ferme, le premier là et le deuxième. Et l'autre là-bas. Ça reste, hein, que les habitants et les militaires ici. D'accord. Voilà, ça se ferme avant celui-là. Ouais, ouais. Oui. D'accord, et là, oui, c'est pour monter. Les gardes ici, mmh, montaient par là. Ouais. Maintenant, c'est comme. C'est, fermé, c'est, oui. C'est fermé. Par contre, les petits. Parce qu'ils montent ici, les petits, maintenant. Mm-hmm. Mais avant, ils montaient par là pour voir à l'extérieur, qui est à l'extérieur. Oui, oui, oui. Oui. Si. Salam. La porte là, la deuxième. Mm-hmm. Ça se ferme aussi. OK. Et là, la troisième. Et la troisième, là. La troisième, là. Mm-hmm. Avant, les escaliers qui étaient, elle était ici, là. Ah oui, là, il y avait... Oui, OK. Elle était là, il rentrait là-bas. On monte au-dessus pour voir. OK. Les gardiens qui étaient là, ils montent, okay, pour voir l'extérieur. Pour voir l'extérieur. Les militaires, qu'il y a, quand il y a une appel, ils sortent d'ici, de la Casbah, de la caserne militaire. Mm-hmm. Ils sortent d'ici, ils partent. Salam, par là. Ouais. Direct vers les escaliers. D'accord. Et comme ça, ils sont les sur escaliers. Les escaliers. Ouais, ouais. C'est comme ça comment ils sont sur les remparts pour la protection. Ouais, okay. OK. Après, ils finissent, ils viennent, ils rentrent à la Casbah. Ouais, c'est intéressant, l'histoire est intéressante. Déjà alors ? Directement. Alors, moi, je suis un peu plus petit. C'est difficile, c'est chouïa. Bon. Vas-y. Sire. Il est good, hein? Oui. Hicham. Question orale. Allez-y, mon ami. Vous avez déjà monté à la Casbah? Vous avez déjà monté sur la rempart là-bas? Non. Non. Ah, d'ailleurs. Yalla. Rappelez bien ce mur-là. C'est pour les remparts de 17 km, celui-là, et aussi pour la Casbah. T'as vu l'ancienne porte? Le vrai port, c'est ça, pas ça, celui-là. Tu rentres pour la gauche. Ils ne sont pas été contactés d'avoir, jamais. Elles étaient tous les portes anciennes. Tu rentres, soit tu tournes à gauche, soit à droite. Ça, c'est pour la protection.
pont. S'il y a une invasion, comme on le dit, tu ne peux pas rentrer tout droit. C'est résumé, c'est toi qui vas retourner. Et donc tout ça, toutes les maisons étaient en terre. Étaient en terre, bon, ça a été refait. Maintenant, c'est moderne. Oui, maintenant c'est tout refait, mais avant c'était tout en terre. Maintenant, sur le mur là, ouais. Ça, c'est une partie qui protège l'espace. D'accord. Ah oui, on se rend pas compte du tout. Les arbres qui sont là-bas sont les arbres qui sont à l'intérieur de la prison, en fait. En fait, on a fait le tour par rapport à là où on était tout à l'heure. Oui, parce que dans les trois portes, on passe pas, en fait. Et ça, c'est qu'à pied ou en vélo. Oui. Là, c'est sort là-bas, la porte. Ah bah oui, on est... Alors ici, ce restaurant-là, il fait des super petits déjeuners. Là, la porte est là, regarde. La porte est là. Ah oui, et ça, c'est la petite porte, en fait. La petite porte. Ouais. Derrière, il y a l'autre porte. Il y a les trois portes. Il y a les trois portes ici. Il y a les trois portes là-bas. Et ça ressort ici. Hein. Et donc là, derrière, c'est la classe bas. C'est la classe bas, ouais. Bon, là, elle était pas. Elle était collée au souci. Elle était comme ça. Comme ça. Tu rentres. D'accord. Et tu tournes. Mais pour monter sur les remparts, toujours avant. Les murs étaient à l'intérieur, les escaliers étaient à l'intérieur. À l'intérieur. Oui. Pour pas que les gens dehors puissent monter. Oh, voilà. C'était tous comme ça. Ah oui. Et quand après, tu viens un appel, il montait. Il vient tout de suite le groupe comme ça. Il montait. Il part sur les remparts. Et c'était tout le temps ouvert? Ou non, ça se ferme. Ah, ça se fermait. Avant étaient toutes les portes, les cinq portes. Elles se fermaient toutes. Elles se ferment à l'heure le soir. D'accord. Si tu as resté derrière, ça y est, il reste. Ah oui, donc ça restait fermé. Oui, et ils font leur garde ici. Ah oui, si c'est bas, il a vu ce juste pour, comme ça. Oui, pour se cacher. Ouais. Ils se cachaient, ils pouvaient voir. C'est ça. Et ils avaient vu sur tout, en fait, partout. Oui. Tous les 7 km, les 5 portes, à côté de chaque porte ancienne, il y a des escaliers pour monter. Pour monter. Ah, à côté de chaque porte, il y a des escaliers. Les cinq. Les cinq. D'accord. Pour savoir les vraies portes anciennes, quand tu rentres à l'intérieur, tu trouves à côté l'escalier. S'il n'y a pas l'escalier, ce n'est pas les portes anciennes. Voilà. C'est un des parties qui sont cassées. Ah oui. Mais tu peux aller comme ça. Avant, on peut aller jusque comme ça. Jusque deuxième porte là-bas. C'est impressionnant. Qui s'appelle Bab Zorgan, où il y a la gare routière, de ce côté-là. Ah oui, où il y a tous les taxis. Il y a, la place du taxi. C'est là, j'ai direct D'accord. cette direction. Et là-bas aussi, ils ont la porte où à l'intérieur, il y a les escaliers. Il y a les escaliers. Monter. Et de cette porte, il y avait jusqu'au Baboulet, Bab Tarrunt, sur la sortie Bab Tarrunt, si on veut aller à la tannerie. La porte là-bas, il y a les escaliers. Après, ça c'est le troisième. Et le quatrième, c'est Baboulet Bounouna. Et le cinquième, c'est Bab El-Khmis. On est parti nous sans manger. Forcément ces odeurs là, déjà qu'en temps normal ça sent bon. Ouais. Même quand t'as pas faim tu manges. Même quand t'as pas faim tu le manges parce que ça sent trop bon. Vas-y.
c'est les pidis, c'est les petits hôtels ici qui sont moins chers, mais du coup moins connus, et donc les gens viennent pas en fait ici. Donc bah, si un jour vous allez à Tarondan, vous savez où aller. Vous allez voir Hassan et vous dire les hôtels qui sont pas chers. Exactement. Et ce qu'on va faire, c'est que qu'on va prendre le numéro de téléphone de Hassan. Et si vous allez à Tarondan et que vous avez envie de faire un tour en calèche, et ben on vous donnera le numéro de téléphone de Hassan. Un tour de calèche et un tour d'histoire. Et un tour d'histoire, parce que vous avez vu, c'est hyper intéressant, parce que quand même Hassan nous explique énormément de choses. Là c'est l'entrée aussi du marché berbère. Là, ça c'est l'entrée du marché berbère. Okay. Regardez comment ça c'est bon. Bon alors Hassan nous a emmené là, on s'est arrêté pour manger, donc on va aller voir Jaouda. Hein Jaouda? Regardez Jaouda. Hein Jaouda? Oh là là mon Dieu. Ouais, merci pour la balade. Eh hey, doucement, il te gêne le truc. Merci pour la balade Jaouda. Hein? Merci pour la balade mon beau. Ouais. Allez, viens. Et regardez, l'autre jour, Hassan, il nous a dit, tu cherches la petite charrette. Tu vas voir, c'est super bon. Et en fait, bah, c'était pas l'heure. Maintenant, on est là à l'heure, donc on va pouvoir manger. Alors, voilà les petits sandwichs mix pour 8 dirhams. Le thé, tiens, prends le thé. Voilà, le thé. Alors, c'est bien bon? Eh ben, c'est bien bon, c'est super bon. Je fais la pub. La pub. Non, regardez ça. Hop là, et voilà. Regardez-le, lui. Il en prend le deuxième. Bah, Franck, il a adopté, hein. Ah, t'es content, t'aimes bien, toi. Ah, c'est bon, hein. Alors, on leur dit ce qu'il y a dedans? Bah, Franck, je lui ai dit. C'est vachement bon. Quoi? Dedans? Putain, tu sais ce que c'est, ça? Non. C'est quoi? C'est quoi? C'est la panse de mouton. La panse? Mais oui, la panse. L'estomac. Ah! Tu l'as mangé et t'as trouvé ça bon? C'est bon. Oui, c'est et bon. Mais c'est dégueulasse. Et... Je... Il me semble qu'il y a de la cervelle, le truc tout à l'heure. Il me semble qu'il y en a dedans. Voilà. Mais c'est bon, hein. C'est bon. C'est un mix de tout. Non, arrête. Alors, regardez comment c'est fait. C'est le mix avec les sardines, le gras de la viande. Et puis après, bah, il fait griller les sardines, en fait. Voilà. C'est super. Et Jaouda, il fait une petite pause pour boire. Bah oui. Il a soif. Il fait des câlins. Non, il fait des câlins. Hein, tu fais des câlins, Jaouda. Hein? Allez, Jaouda. Hein, qui est beau, Jaouda. Allez, on reprend la route avec Jaouda et Hassan. We could walk this autumn town, find a place to be alone. Look into your eyes, feeling butterflies. We could dance under the stars, fall into each other's arms. Nowhere else we need to be, just you and me. Ah, c'est l'autre porte. Ouais. La vraie, elle est à gauche. La vraie, elle est ici. La vraie, elle est là. La vraie porte est là. Ah, et là, il y a encore les portes pour fermer. Ouais. Ici. T'as vu les escaliers? Ouais, ouais, ouais. Toujours, ils sont à l'intérieur. Ouais. Oui, oui. La porte, quand tu rentres, tu tournes à droite. Ce sont des riades. Ce sont beaucoup de riades à des Belges. Oui, ce sont des riades à des Belges. Ah, d'accord. À des riches. Zi la foyer. Zi. Nta, tu veux stop. Zi la rage. Nta, stop. Allez, j'attends. Zi. Comme la sidine. Allah yaouni. Continue. Sûr. Il a fondu. Zé, par là. Il a fondu.
Ok, doucement. Bravo, Jovia. Doucement. La porte suit nouvelle. Ouais. Et alors, le petit Noah? On est fatigué? Fatigué, Noah. Puis je crois qu'il est un peu bercé par Jaouda. Ça, c'est l'ancienne porte. Ah oui, là, il y a l'escalier. On a vu les 5. Les 5 portes. Ça, c'est la rue des garages. Voilà. Il y a la rue. Maintenant, tu roules. Alors là, on passe devant le cimetière juif et donc le quartier juif. C'est dommage. Tu veux que je m'arrête là-bas? Tu veux monter sur... Non, t'inquiète pas, ça va. Ah, ici, c'est la gare routière. C'est la place où il y a tous les grands taxis et les bus. Et on va faire une petite pause chez Hassan. Si, regardez, il faut que je vous montre, regardez. tous les petits lapins. Okay, c'est bon. Oh, vous mangez les cochons d'Inde. Quoi? Non. Les cochons d'Inde. Oh là là. Tous les petits lapins. Non, regarde. Non, ok. Oh, regarde, ils vont être contents. Regarde, ils vont nous donner à manger. On va manger. Bah, tu vas les voir, regarde. Regarde. Les gars, comment ils sont contents? Ah, là, il va sortir pas loin. Il y a des bébés là-bas. Et ils ont fait un trou, hein? Oui. Ah, trop fin. Ah, ils sont trop mignons. Bon, les lapins, pour les lapins, c'est pour les manger. Les lapins. Et les cochons d'Inde, non? Non. Non. Ça se mange pas chez nous. Ah! En Amérique du Sud, ils les mangent. Tu vois, ils les mangent pas, les petits cochons d'Inde. En Amérique du Sud, ils les mangent. Non, ils sont trop mignons. D'accord. Les petits des lapins, quand ils sont nés, ouais, ils sont tout petits. Hein. Ah oui, donc les cochons d'Inde, ils empêchent les rats de venir. Ils sont mangés par les rats. Et si tu mets les cochons d'Inde, voilà. Il n'y a pas les rats. Ils tuent les rats. Ah, impeccable. D'accord. Mais ils sont trop bien là. Oui, ils sont trop mignons. Attends. Or. Les voilà, les petits. Les bébés là, ouais. Il est petit là-bas. Ah oui, on les voit tous. Voilà, oui, on les voit. Ah, oui. Ah, ils sont pigeons. Chut. Mais ça se mange par contre, les pigeons. Oui, ça se mange des pigeons. Ça se mange pour les pastillas. Et surtout, on les vend pour les femmes qui ont donné les petits. Les femmes, toujours, elles ont besoin des petits, des pigeons. Ça leur donne beaucoup d'énergie. D'accord. Ça, c'est le box de Jaouda. Aussi, on voit des sortes. Il y a des petits chats, des petits chiens de partout. Vous connaissiez la ferme de Hello où c'était déjà 10 millions d'amis. Chez Hassan, c'est 30 millions d'amis. Ah oui. Il y en a encore plus. Allez, dindons, elle poule. Ah bon, on ne peut pas traverser, on va arriver dans les quartiers là-bas. C'est de la ferme. C'est de la ferme, on ne peut pas traverser. Allez, on est sur le retour.
on rentre à la ferme. Il a failli battre une voiture. C'est juste qu'il a pris un trou, du coup il a une perte d'accélération, du coup le temps qu'il regarde la vitesse, la voiture avait gagné. Il est passé à 254 avec le camion. Bah alors Noah, sur les dunes. Noah, tu dors? Ça l'a rincé la calèche. Ouais Noah, ça l'a rincé la calèche, oui. Hein? On est fatigué? Est-ce que c'était bien la balade? Avec Jaouda? Oh, le bébé. Voilà, on retourne par retour à la ferme. Ok. Remarque que Jaouda, il passe mieux dans le portail. Il est moins large, Jaouda. Hein? Il est moins large que le camion, Jaouda. Et voilà. Et voilà. Retour à la maison. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que la balade avec Hassan vous a plu. Je voulais faire une petite parenthèse quand même, puisque vous savez qu'on n'est pas friand de faire travailler les animaux pour des raisons évidentes. C'est-à-dire que la plupart sont battus et maltraités. Et c'est pas du tout le cas de Jaouda. C'est pour ça qu'on est parti avec Hassan. Vous avez pu voir chez lui, il a plein d'animaux. Ils sont tous nourris et c'est pour ça qu'il travaille. Comme il dit, il travaille pour les enfants et pour les animaux. Voilà, allez, on vous embrasse et on vous dit à bientôt. Bonjour Noah. Redis-le-moi chaque soir, et si loin tu n'oublieras pas, je t'en prie, dis-moi que tu seras jamais bien loin. Barbouille, ça passe pas partout.